Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil. Barbier, poinçonneur, maréchal ferrant, tailleur de pierre, on aurait pu croire que ces métiers d'un autre âge étaient totalement disparus avec l'avènement du numérique et des nouvelles technologies. Pourtant, ils font de la résistance et deviennent même tendance pour certains. Alors, quels sont ces métiers d'antan qui ont le vent en poupe? Comment maintenir et faire évoluer ces savoir-faire séculaires? Quelles sont les formations pour y parvenir? On va en parler avec nos invités du jour. Vous pouvez réagir comme d'habitude sur France5.fr. Et avec nous aujourd'hui, Camille Gras, bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan orfèvre à la tête de votre propre entreprise, l'atelier Camille Orfèvre. Vous êtes venu avec quelques-unes de vos pièces magnifiques. Merci. Et des outils aussi qu'on va découvrir magnifiques également. Philippe Andrieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître verrier à la tête de la maison du vitrail. Vous êtes également président de la Chambre syndicale nationale du vitrail et président de la Confédération des métiers d'art de l'excellence et du luxe. N'en jetez plus. Monsieur le Président. Voilà. Enfin, Alexis Gofsian, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur des métiers, dont la mission est de contribuer au développement économique de l'artisanat et des entreprises de proximité. Mais d'abord, cireur de chaussures, barbier et gouvernante, voilà trois métiers qui paraissent totalement désuets et pourtant ils reviennent, comme nous le montre ce reportage de Camille Anthony. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Vous, ouais. Super bien. C'est pour le cirage. Se faire cirer ses chaussures pour moins de 10 euros, c'est le service que propose Yolcé chaque semaine dans ce grand centre commercial parisien. Je ne connaissais absolument pas ce métier en France. J'ai découvert ici en fait. Et c'est à l'ancienne que Yolcé travaille. Un peu de cirage, des brosses et un chiffon, c'est tout. Les techniques et les gestes n'ont pas beaucoup changé, mis à part quelques astuces qu'il a pu expérimenter. On utilise également des collants, tout simplement, des collants de femmes, des bas nylons. On a beau avoir des brosses en poils de yak ou en poils de chèvre, le collant, c'est un peu l'astuce magique. Ça fait briller bien plus que toutes les autres matières. Bah. Et celui qui veut dépoussiérer ce vieux métier, c'est lui, Olivier. Ancien directeur d'un magasin de chaussures et passionné de cuir, il a bien l'intention de redorer le blason du cireur de souliers. C'est un métier qui avait disparu en France, à part dans certains salons très élitistes. Aujourd'hui, les cireurs, on est là pour le remettre en avant et le remettre au goût du jour. On n'est plus dans la rue avec les mains noires, une caisse en bois et à crier cirage, cirage, cirage. Non, aujourd'hui, on est sur des vrais stands. C'est un beau service, mais qui reste accessible à tout le monde. On rend vraiment le luxe accessible. Ici, on est loin de l'image des cireurs de rue mal fagotés. Aujourd'hui, ils sont bien habillés et font briller vos souliers. Et si leur plus grosse clientèle est masculine, ce service s'adresse à tous. On a aussi des jeunes maintenant. On a beaucoup de jeunes parce qu'ils prennent soin de leurs affaires, ils prennent soin de leurs vêtements, de leurs souliers. Donc c'est là où on voit que les mœurs changent en France. Ici, un cireur de chaussures indépendant peut espérer gagner entre 2000 et 4000 euros. Si leur service dans les centres commerciaux marche bien, les cireurs d'Olivier sont également très souvent sollicités lors d'événements mondains pour cirer les chaussures des invités. On est aussi sur beaucoup d'événementiels. On a une grosse demande dans l'événementiel, que ce soit sur des salons, des mariages, des baptêmes. Donc il y a une vraie évolution, il y a une autre perspective du métier. C'est qu'il y a une vraie demande aujourd'hui. Si les hommes aiment de plus en plus se faire cirer les chaussures, l'élégance masculine ne s'arrête pas là. Du soulier à la barbe, il n'y a qu'un pas. Depuis quelques années en France, c'est le métier de barbier qui connaît un véritable essor. Salut Alex. Salut mon homme. Ça va ? Comment vas-tu ? Alex était coiffeur et souhaitait proposer uniquement des prestations pour hommes. En 2013, il a ouvert son premier salon de coiffeur-barbier à Paris. Et très vite, croulant sous les demandes, il en a ouvert un deuxième. Mais y a-t-il vraiment tant de barbes que ça à tailler? La barbe, ça s'est démocratisé. Voir un barbu dans une banque ou passer les portes du salon, maintenant, c'est devenu courant, quoi. C'est devenu dans l'air du temps, quoi. Se faire tailler la barbe ici coûte en moyenne 30 euros. Pas donné, mais ce salon mise tout sur des prestations haut de gamme. Position semi-allongée, huile pour préparer la peau, serviette chaude, tout est étudié pour que le client passe un bon moment. Et Alex n'hésite pas à jouer sur le côté traditionnel de ce métier d'antan. Je vais utiliser un vieil outil qu'on utilise depuis longtemps chez le barbier, c'est le blaireau. Voilà, il y a trois types de blaireaux sur le marché. Vous avez des poils synthétiques, des purs poils de sanglier. Moi, je vais utiliser un blaireau 100% pur poil de blaireau. Mais si Alex utilise les outils d'époque, la technique et les prestations ont tout de même évolué. Aujourd'hui, il ne se limite pas à raser ses clients. Il leur façonne une barbe en fonction de la morphologie de leur visage. C'est-à-dire, on prend en compte les pommettes, le bas de cou, les commissures. Les mecs, aujourd'hui,
Ils veulent arborer fièrement leur barbe. Que ça soit une barbe de 3 jours, une semaine, un mois, un an, ils auront besoin de barbiers, sculpteurs, pour refaçonner des volumes, voilà, pour redonner les grandes lignes. Avec un salaire moyen de 2000 euros par mois, le métier de barbier attire de plus en plus de coiffeurs qui souhaitent ajouter une corde à leur arc. Rien qu'à Paris, le nombre de salons proposant ce service a été multiplié par 3 en 10 ans. À tel point que l'option barbier est même réapparue au brevet professionnel de coiffure en 2012. Changement de décor, changement de métier. Là aussi, l'apparence doit d'être impeccable. Bienvenue à l'Académie des gouvernantes. C'est dans cette école que sont formées la crème des nannies. Une vocation en plein boom depuis la célèbre émission Super Nanny. Je vais procéder à l'inspection des chignons et des ongles, s'il vous plaît. Et ici, vous allez voir qu'on ne plaisante pas avec les règles. Il y a plutôt intérêt à montrer patte blanche. Très bien, je vous remercie. Bonjour mademoiselle. C'est les exigences qu'on demande à l'Académie des gouvernantes puisque nous sommes sur un métier bien particulier avec des familles qui peuvent être très exigeantes. Change de l'enfant, toilette du visage ou encore sortie au parc, cette rigueur se retrouve dans toutes les tâches que la gouvernante sera amenée à réaliser. Vous êtes prête mademoiselle ? Oui, madame. Nous allons dans le parc. Ces jeunes femmes triées sur le volet déboursent près de 5000 euros pour l'année de formation. Mais une fois le diplôme obtenu, elles n'auront aucun problème pour trouver du travail. Nous avons beaucoup de demandes de formation pour des gouvernantes. On en prend en moyenne 1 sur 10. Donc il y a un véritable attrait aujourd'hui pour ce métier de gouvernante. Le salaire de gouvernante d'enfants débute généralement aux alentours de 2000 euros net. Le recrutement se fait donc par des personnes qui ont des revenus suffisants pour pouvoir dégager un salaire consacré à la garde de leurs enfants. Nous allons mettre en application le couvert à la française. Comment mettre le couvert ? Car ce qui différencie une gouvernante d'une simple nounou, c'est qu'elle se charge également de l'éducation et de la transmission des bonnes manières, comme à l'époque. C'était un peu réservé, effectivement, peut-être à une élite, ce qui faisait qu'on en parlait moins. Mais de plus en plus, de parents pris par leurs obligations professionnelles ont de moins en moins de temps à consacrer à ces règles d'éducation. C'est une des raisons pour lesquelles ils font appel à ces gouvernantes. Qu'on soit cireur de chaussures, barbier ou bien gouvernante d'enfants, les métiers de service d'une autre époque reviennent sur le devant de la scène. À l'heure où nous sommes tous très occupés et tous pressés, ces professions ont encore de belles années devant elles. Alexis Goffsio, comment expliquez-vous que ces métiers d'antan reviennent comme ça à la mode ? En fait, ce sont des métiers qui ne disparaissent jamais. Ce sont des métiers de l'artisanat. D'ailleurs, aujourd'hui commence la Semaine nationale de l'artisanat, du 10 au 17 mars. Pour mettre en valeur l'ensemble des métiers, ils sont plusieurs centaines, et des métiers qui... Alors qui disparaissent peut-être pas, mais qui ont peut-être moins... Qui vont et qui viennent. Vous savez, il y a énormément de métiers. Je suis entouré de deux chefs d'entreprise qui sont des entreprises du patrimoine vivant. Il y en a beaucoup d'autres. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont tous leur capacité, à la fois dans l'histoire, dans le présent et dans le futur. Ce sont ces métiers qui organisent la croissance, l'emploi, la proximité, aussi la qualité de vie. Ouais. Ce qui fait que les entreprises artisanales ont une place particulière pour maintenir, développer et transmettre les savoir-faire. Les demandes des consommateurs font que leur métier va plus revenir dans le... Je vous donne juste un exemple, c'est le glypticien. Le quoi ? Le glypticien, voilà un mot. Voilà. Bon, dans le dictionnaire de l'artisanat, vous trouverez sa définition. En fait, c'est un métier qui existe, qui existait 5000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, qui existe toujours, une entreprise du patrimoine vivant, donc un EPV, qui est à Bagnolet. Il faut être sculpteur. C'est l'art de la gravure. Marqueteur, graveur. Et il faut travailler les matériaux rares, les pierres dures, et organiser tout un travail absolument extraordinaire de beauté et de culture. Ce métier de plus de 5000 ans existe encore. Certes, il n'y en a pas beaucoup qui font ce travail, mais... Alors, ce sont des métiers qui parfois sont endormis. C'est comme le barbier que vous avez montré tout à l'heure, la barbière de Paris. Qui fait un malheur aujourd'hui, vous savez. La barbière de Paris. Oui, Sarah Danielle Amizi, qui a, au niveau de sa clientèle, Sa Majesté, le roi du Maroc, John Malkovich. C'est elle, et bien d'autres, effectivement, ce sont des métiers extrêmement
à la mode, qui reviennent. Il faut être un très bon coiffeur, mais en même temps, il faut entrer dans une logique de, comme ça a été expliqué, de sculpture, sculpture de la barbe et de mode et d'organisation du visage. Ce sont des métiers passionnants. Vous Camille Graff, vous êtes orfèvre, vous ne travaillez pas pour des stars encore, si ? Alors, en fait, il y a beaucoup de choses où je ne peux pas le dire. Ah, il y a des choses où je ne peux pas le dire, c'est vrai. Mais il y a des personnalités. Donc, oui, en gros, vous travaillez. Des personnalités, ou sinon, c'est indirectement. Bah, dites-nous les initiales, on devine. Ouais, j'ai beaucoup de grandes maisons de luxe, mais vu que je suis sous contrat de confidentialité. D'accord, pas de problème. Je n'aurais rien nommé. En fait. Bon, alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce métier d'orfèvre ? On fait son chemin de fil en aiguille, mais en fait, déjà au début. J'ai commencé par ma mère est artiste, donc j'ai toujours baigné dans l'atelier, gamin, etc. Donc je savais que je voulais travailler dans un atelier. Et au fur et à mesure, c'était le métal qui m'attirait. Mmh. Et adolescent, un ami de ma famille m'a transmis le savoir-faire et cette passion-là. Et du coup, pendant les vacances scolaires ou le week-end, j'allais chez lui bricoler, m'apprenais petit à petit. Expliquez-nous en quoi ça consiste exactement alors. Qu'est-ce que c'est l'orfèvrerie ? Oui, qu'est-ce que c'est ? L'orfèvrerie, c'est tout ce qui est l'argenterie, l'art de la table, l'art décoratif aussi, objet de déco maintenant. Ouais. Et moi, je vais aussi bien restaurer les pièces anciennes, donc des bosselages, ressouder, une charnière qui est cassée, un bec qui fuit, réargenter, remettre en forme les couverts. Et donc ça, il va y avoir toute la partie restauration et toute la partie fabrication qui peut être... création, aussi bien mes créations que créer pour les autres. Donc là, je mets mon métier et mon savoir-faire au service des autres. Cette pièce-là qu'on voit à l'image, elle a nécessité combien d'heures de travail pour qu'on se fasse une idée ? Combien de mois de travail, peut-être ? Non, j'ai mis à peu près un an pour la réaliser. En travaillant tous les jours dessus, heureusement. Mais là, c'était une pièce où je faisais ça le soir, un peu le week-end. Entre midi et deux. Elle appartient à qui ? À moi. À vous ? Vous avez une idée de ce qu'elle vaut ? Mais si vraiment il fallait l'acheter. La vendre dans les 10 000 euros, il faudrait. Mais c'est pas cher pour un long travail. Ah ben non. Ben non. C'est mon chef-d'œuvre. Bien sûr. Vous utilisez ces outils que vous avez là ? Ce sont vos outils du quotidien ? Ah oui, puis là, il n'y en a pas beaucoup. Oui, là, j'ai j'ai une bigorne, recingle, ça c'est... Une bigorne. Une petite forme. Ça sert à quoi, ça, par exemple ? En fait, tout ça, ça va être soit pour mettre en forme le métal, soit pour débosseler. D'accord. Donc, admettons, vous voyez, genre de la recingle, si on a une bosse ici, justement, là, déjà, il y a une théière en général, je démonte toujours le couvercle et les anses. Et en fait, la bigorne, elle va me servir, donc c'est toujours serré dans un étau, et la bigorne va venir, ou la recingle va venir dedans, et en fait, avec ces différents maillets, qui sont des maillets. C'est très vieux. Des marteaux. Genre de marteau qui sert justement à débosseler. Et d'accord. Ce sont des outils qu'on ne fabrique plus aujourd'hui du tout. Les fabriquons nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Et vous les repassez entre nous. Sinon, on se les repasse entre nous, etc. Ouais. Ça s'achète pas en magasin. De l'acier ressort, en fait. Ah ouais. Vous aussi, Philippe Andrieux, vous travaillez avec des outils bien particuliers. Et de la même manière que les maîtres verriers du siècle dernier, voire encore. Alors nous, beaucoup moins. J'ai tout mon atelier pratiquement devant moi. Ah ouais. D'accord. Il faudrait encore un four, mais finalement, j'ai le diamant découvert par François Ier, qui, puisque nous sommes jour de la femme, a écrit un jour sur un carreau à Chambord, souvent femme varie, bien folle qui s'y fit. Et c'est ainsi que le jardinier qui était à côté s'est rendu compte que le verre fiait. Ouais. Et donc, depuis le 16e siècle, on travaille avec ce toujours type. Avec ça. Donc le diamant qui sert à découper le verre, hein, c'est ça. À découper le verre, regardez. C'est utilisé par les cambrioleurs aussi, mais. Oui, ils préfèrent casser le carreau carrément. Ouais. Un petit trait et hop. J'ai une pièce à recouper, excusez-moi. J'ai pas vu pour ce panneau. Ensuite, nous avons un couteau pour couper ce plomb. Et ça, pareil, ce sont des outils qu'on ne trouve plus aujourd'hui. On les fabrique, mais un petit peu en série, contrairement à mon collègue. Mais vous savez, ces deux choses-là. Avec des techniques, des techniques toujours traditionnelles que vous. Depuis 11e siècle, ancestrales. L'industrie nous a totalement oubliés. Ouais.
Ouais. Et je me demande s'il ne faut pas qu'il continue de nous humilier. Il y a un endroit en tout cas surprenant en Lorraine où on s'intéresse à tous ces métiers anciens, Gérard. C'est intéressant parce que c'est l'inverse de ce que vous disiez, c'est près de Longwy. Vous savez, Longwy, le nord, la Meurthe-et-Moselle, ouais. Désertification, la fin de la sidérurgie, la fin des industries. Et donc on aurait pu penser qu'ils allaient se tourner vers de souvenirs, des industries, des mines. Et il s'est créé à Azan, un petit village, un métier, un village des métiers d'autrefois. Mais des métiers d'autrefois, pas simplement comme ça, une exposition. Des gens qui travaillent vraiment, comme nos amis maîtres ici, qui travaillent vraiment le maréchal ferrant, le ferronnier, le verrier, etc., qui travaillent au plein air. Et il y a eu 1 million de visiteurs depuis 1991. 50 bus, quand il y a une journée porte ouverte, qui arrivent, qui amènent des personnes en dehors des voitures. Donc un succès fou. Et on se demande d'où vient le succès. J'ai d'abord pensé que c'est la nostalgie d'un monde disparu. Mais en réalité, je pense que ce n'est pas ça. C'est redécouvrir le passé. Vous savez, quand on voit des choses de l'avenir, on est fasciné, une découverte. Et là, on se rend compte que l'avenir, ce n'est pas mieux que le passé. C'est une continuité. Et c'est redécouvrir le monde d'autrefois. Je crois que c'est ça qui passionne les gens. Et c'est une belle expérience. Et un autre, en Meurthe-et-Moselle aussi, à Azraï, où il y a là aussi un village du métier d'art. Alexis Kefsian, est-ce que ce sont des marchés de niche, la clientèle pour ces métiers-là? C'est une clientèle locale, française, internationale? C'est à la fois locale, française et internationale. D'accord, c'est tout. Ce sont plutôt des consommateurs. C'est-à-dire, ouais. Ouais. Ce sont des consommateurs qui aiment avoir du plaisir à toucher, à posséder des objets particuliers. Mmh. Donc, ils sont dans une logique de rechercher l'authentique, l'unique, ce qui vient de la culture. Et ouais, bien évidemment. Vitraux, vous les vendez à qui? Avec un savoir-faire d'excellence. Alors, qu'est-ce qui vous achète? Les vitraux, évidemment, bon, la France possède 60% du patrimoine mondial en matière de vitraux. Ouais. Donc nous avons un chantier de restauration énorme. Même si le ministère de la Culture n'a que 0,7% du budget de l'État, ce qui est un petit peu faible à notre avis. Mais nous avons, élus, par exemple, bien sûr, mais il y a aussi des particuliers. J'ai une maquette de vitraux qui vont aller sur un yacht, à côté de Pise. Ah oui. Mais nous travaillons aussi pour monsieur et madame tout le monde. Mmh. Hein, nous avons fait une ocus de porte et on restaure évidemment les cages d'escalier haussmanniennes. Voilà, donc, ouais, donc on a une clientèle, comme le disait notre ami, on a une clientèle extrêmement... Alors, on va maintenant vous parler d'une belle histoire qui s'est déroulée il y a quelques mois à peine dans un quartier parisien. Vous en avez peut-être entendu parler grâce à la mobilisation des habitants de Saint-Germain-des-Prés. Un vieux métier a été sauvé, avec lui Ali, l'un des derniers représentants de sa profession. Camille Anthony l'a rencontré. Édition spéciale, ça y est, Marine Le Pen s'est convertie à l'islam. Ça y est, c'est fait. Impossible de résister à l'humour de ce vendeur de journaux à la criée. Dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, Ali est un personnage incontournable. Ça y est, Fillon quitte sa femme. Ça y est, c'est fait. Chaque jour à l'heure du déjeuner, il court de café en restaurant pour vendre le journal Le Monde. Un métier d'antan que l'on croyait disparu, mais non. Ali est le dernier représentant de cette profession en France qu'il exerce depuis 44 ans. Ce vieux métier, c'est avec la presse populaire qu'il est apparu dans les années 1860. Les gens du peuple pouvaient enfin acheter un journal à l'unité, sans avoir à s'abonner à l'année. Le petit journal est fondé en 1863. C'est à ce moment-là que ça devient un quotidien à 5 centimes, très bon marché, qui a besoin d'être vendu au numéro pour les gens du peuple. Le principe du journal populaire, c'est que les gens du peuple ne peuvent pas sortir l'équivalent de 200 euros d'un seul coup, mais ils peuvent sortir quelques dizaines de centimes. À l'époque, les crieurs portaient l'uniforme du journal qu'ils représentaient pour qu'on les repère de loin. Le petit journal qui est le premier à faire ça, qui vend 300, puis 500, puis 800 000 exemplaires par jour, il a besoin de plusieurs milliers de porteurs, des gens à qui il donne une casquette, à qui il donne une trompette pour attirer un peu la clientèle, en voilà une. Et celles-là, elles sont estampillées, le petit Parisien et le petit journal. Mais dans les années 50, la presse française commence à décliner, et avec elle, les vendeurs de journaux à la criée. Lorsqu'il a débuté dans la profession, Ali arrivait à vendre jusqu'à 300 journaux par jour. Aujourd'hui, distribuer ses 50 exemplaires quotidiens n'est pas toujours évident. Et chaque journal vendu ne lui rapporte que 80 centimes. On fait beaucoup d'efforts, on dépense beaucoup d'énergie, mais pas pour grand-chose. C'est ça. Parce qu'on vend très peu de journaux, mais moi, j'ai fait des kilomètres, à peu près pareil, hein, je fais une vingtaine de kilomètres par jour. Hein.
pour gagner voilà, une quarantaine d'euros. Mais il y a quelques mois, la carrière d'Ali a failli s'arrêter là. En cause, la fermeture de l'entrepôt où il se fournissait à Paris et un nouveau lieu de stockage trop éloigné pour le crieur parisien. Et c'était vraiment compliqué pour moi d'aller très loin. Et bon, voilà, à Bobigny, il fallait chercher vers Bobigny. Et revenir à Paris vers 3h, 4h, alors je ne pouvais pas, après 4h, qu'est-ce que je vendrais? Pas grand-chose. Hein. Alors, pour sauver Ali et son métier, c'est tout le quartier qui décide de se mobiliser. Anne-Sophie Beauvais, présidente de l'association des anciens élèves de Sciences Po, prend les choses en main et lance une pétition en ligne. On a voulu sauver un métier qui est un peu d'un autre temps. Mais ce métier nous paraissait important, même s'il ne restait plus qu'un symbole, même s'il ne restait plus qu'un Ali. Et derrière ce symbole, c'est aussi tout un quartier, parce qu'en fait, Saint-Germain-des-Prés était un quartier, il y a quelques années, encore très intellectuel. Vous y aviez de nombreuses librairies, des maisons d'édition. Tout ça est en train de disparaître petit à petit. Et Ali fait aussi partie de cette image d'un Saint-Germain-des-Prés intellectuel. Pas moins de 7500 personnes ont finalement signé la pétition. Et si vous doutiez encore de la notoriété d'Ali, attendez de savoir qui a participé au sauvetage de notre vendeur préféré. En quelques heures, en fait, on a eu plusieurs milliers de signatures des élèves de Sciences Po, mais nous ont rejoint beaucoup de personnalités du quartier. Vous avez eu Nathalie Riquiel, Clotilde Courreau, même Véronique Sanson. Suite à cette mobilisation, Ali a été reçu par Le Monde. Il fait désormais figure d'exception et se fait livrer ses 50 exemplaires chaque jour, et tout ça grâce à ses nombreux habitués. Élu personnalité préférée des habitants du quartier il y a quelques années, Ali peut enfin souffler, ou plutôt continuer à crier. Édition spéciale Le Monde. Voilà, très belle histoire de Camille Anthony. SMS, le chapelet de ma petite ville vient tout juste de mettre la clé sous la porte. On voit tout de même beaucoup de métiers anciens disparaître, nous dit Adélaïde. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ces métiers d'antan qui reviennent, mais il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup qui ont totalement disparu. Les entreprises disparaissent. Ouais. Les artisans peuvent avoir des problèmes de marché, de relations avec la clientèle, des difficultés. Elles peuvent disparaître, mais les métiers... ils ont une certaine permanence, donc d'autres chapeliers existent ailleurs. Heureusement. Ouais. Ouais, ouais. Bon, et puis on en a présenté quelques-uns des métiers qui avaient disparu en tout début d'émission. Toi, Mélanie, tu vas nous en donner d'autres qui sont en voie de disparition. C'est ça, il y a ceux qui ont complètement disparu. Ouais. Alors, par exemple, l'allumeur de réverbère, là, pour le coup, il a vraiment et définitivement disparu, puisqu'il n'y a pas eu de petites flammes dans les réverbères. Le secteur est bouché, là. Il y a des ampoules, alors, il y a des électriciens qui ont remplacé les allumeurs de réverbère. Je pense aussi aux télégraphistes ou aux fameux poinçonneurs des lilas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, et comme vous le dites, des métiers qui subsistent, qui résistent, alors d'une façon ou d'une autre, mais qui sont quand même un peu en voie de disparition. Ouais. Et c'est souvent les métiers manuels qui jouissent aussi d'un manque peut-être de reconnaissance sociale, d'une certaine dévalorisation dans le discours ambiant. Alors, on ne parle pas des grands métiers. Un manque de formation, parfois, et on va un manque en de parler, formation, ouais. C'est vrai, qui manque sur le terrain. Alors, en tout cas, dans le secteur de l'habillement, par exemple, et du cuir, les spécialistes du secteur vous disent, en gros, en 5 ans, il y a 12 000 emplois qui ont disparu. Ah ouais. On sent bien qu'il y a un manque comme ça d'attrait, ça attire moins les vocations. Et puis aussi, certains métiers dans le secteur de la métallurgie, qui n'attire plus non plus. Alors aussi à cause d'une sorte de méconnaissance favorisée par des appellations qui sont parfois un peu désuètes ou complètement dépassées, comme le chaudronnier. On s'appelle toujours un chaudronnier, mais évidemment qu'on ne travaille pas les chaudrons comme auparavant. On travaille des surfaces, je ne sais pas comment dire, des enveloppes, mais pas les chaudrons qui existaient avant, effectivement. Mais d'accord. C'est un métier qui existe toujours. Et puis, il y a l'évolution aussi des métiers qui vont disparaître. Alors là, pour le coup, forcés sous le coup de la loi, avec l'évolution de la législation, je pense notamment aux sculpteurs d'ivoire, aux ivoiriers. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un durcissement de la législation concernant l'ivoire en août dernier. Ça fait quoi ? Ça fait que la législation dit interdiction totale de vente ou d'achat d'objets en ivoire, mais aussi de fabriquer des objets utilisant de l'ivoire, quelle que soit l'ancienneté de l'ivoire utilisé. Donc ça, je suis directement touché là-dessus. Vous êtes touché. Ouais, parce que les théières, pour restaurer comme c'était à l'époque, l'isoloir qui est là pour pas qu'on se brûle sur la poignée, quand il est cassé, il est en ivoire, il est toujours en ivoire. Ouais. Sauf que maintenant, on n'a plus le droit, donc maintenant c'est du plastique, et sur une théière 18e, du plastique, ça ne le fait pas. Ah ouais. Donc du coup, on est bien, bien embêté depuis. C'est un coup dur pour les entreprises, mais le ministère de l'Économie et des Finances travaille actuellement là-dessus. Pour que... Assouplir un peu voilà. Parce que c'est au niveau européen qu'une telle décision a été prise, donc mais c'est bien, c'est avec le ministère. N'empêche. Vous avez une idée du nombre de représentants de vos métiers qui restent aujourd'hui en France? Dans l'orfèvrerie, combien de personnes ?
Oula, je pense qu'on a une quarantaine à peu près. Une quarantaine en France. Ouais. Parce qu'en fait, on dit orfèvrerie, c'est un petit peu large. Hein. Il y a beaucoup de métiers à l'intérieur. Il y a à peu près 10 métiers qui rentrent en jeu. Après, donc il y a l'orfèvre qui est le maître d'œuvre et qui fait tout le montage, ajustage, qui dessine et qui va réaliser la pièce. Mais en fait, dedans, pour faire une timbale, alors soit on le fait à la main, l'orfèvre peut le faire à la main, ou sinon c'est le tourneur repousseur qui, avec son tour, va repousser le métal sur un mandrin. Qui est un autre métier. Qui est un autre métier. Et vous, vous faites plein de métiers alors. Moi, j'essaye parce qu'il y en a qui disparaissent aussi. Ou sinon, je peux pas tout le temps demander à droite à gauche. Parce que oui, du coup, comment vous vous formez à ces métiers-là? Alors j'ai eu la chance dans mes formations, on va dire, de travailler parce que j'ai appris qu'en entreprise. Et dans ces entreprises-là, il y avait tous les métiers regroupés. Donc de temps en temps, j'allais patron me laisser, on me laissait aller à droite à gauche. J'essayais un peu, je me faisais la main, je restais le soir plus tard le soir aussi ou le midi. C'est un investissement personnel, C'est un vrai problème, c'est le manque de formation aujourd'hui à tous ces métiers anciens. Il y a un manque de formation parce qu'il y a un grave manque de candidats surtout. Les gens ne veulent plus faire ces métiers-là ou pas assez, pas suffisamment. Je prends le cas des affûteurs rémouleurs, ces artisans qui donc affûtent les ciseaux, les couteaux, etc. Ça revient un peu en vogue, mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule formation, il n'y a qu'une école en France, c'est l'École nationale d'affûtage et de rémoulage qui est située à Beaumarchais, dans le Gers, qu'elle forme 40 affûteurs par an, vu les départs en retraite, il en faudrait 1000, donc on est en sous-manque, que le diplôme n'est pas reconnu par l'État, mais c'est en cours de validation actuellement, donc c'est toujours un petit peu gênant qu'on n'a pas un diplôme vraiment qui, derrière, permet un accès à tous les débouchés, et puis c'est payant, c'est 40 euros de l'heure quasiment. Pour une formation de 120 heures, ça va chercher les 5000 euros. Alors même s'il y a des aides, compte personnel, formation, etc., ça ne suffit pas, il faut mettre bout. C'est des métiers dévalorisés dans lesquels il n'y a pas assez de formation et qu'on demande de payer. C'est quand même délicat comme situation. Vous, Philippe, vous faites de la formation? Tout à fait. Alors, la maison du vitrail que ma fille anime maintenant forme à peu près une quinzaine de maîtres verriers par an. Ce qui est suffisant ou pas du tout? Pas du tout, mais l'éducation nationale n'en sort pas suffisamment, donc on est obligé. Il en faudrait combien? Il en faudrait à peu près 200 par an, parce que nous sommes à une époque de papy-boom, et nous en avons à peu près, entre l'éducation nationale et trois organismes privés, on en sort à peu près une trentaine, une quarantaine maximum. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a du boulot pour les jeunes que ça peut intéresser, il y a vraiment du boulot. C'est une niche, comme vous disiez, il y a du travail dans ce métier, et ça freine des cas de fer. Justement, Jean nous dit, je suis actuellement en formation pour devenir bottier. Quels sont les organismes qui peuvent m'aider à créer mon entreprise? À qui on peut s'adresser quand on veut monter son entreprise? À la Chambre de métier de l'artisanat, c'est son département. C'est ça. D'accord. Vous avez. Et du coup, vous essayez d'anticiper aussi, vous, avec les évolutions, les métiers qui vont peut-être revenir en lumière? En fait, au niveau des formations, il y a un vrai travail. Il faut une remise à plat. Puisque aujourd'hui le système éducatif ne répond plus à ses attentes, aussi bien des jeunes que de la part des artisans, il faut une entreprise apprenante. Il faut que la formation se fasse dans l'entreprise et que cette formation soit reconnue dans l'entreprise. Ouais. C'est le sens d'un groupe de travail qui est présidé par la présidente de l'Institut supérieur des métiers, Anne de Blénière, qui aujourd'hui travaille sur la transmission des savoir-faire, mais avec de nouvelles méthodes. Parce que ce qui est ancien, et où actuel ne suffit plus, comme vous disiez très justement, d'abord les jeunes ne sont pas attirés parce que c'est compliqué. Parce qu'ils ne connaissent pas bien. Tout le monde ne peut pas aller dans le Gers. Quand ils vont savoir qu'il y a de l'embauche, qu'on gagne bien sa croûte. Tout le monde ne peut pas aller dans le Gers, tout le monde ne peut pas payer. Par contre, dans une entreprise, ils peuvent travailler, ils peuvent être apprentis, formés, et en même temps avoir une reconnaissance diplômante, c'est le sens du travail qu'il faut réaliser dans les années qui viennent. C'est absolument indispensable. Et ça serait utile pour Camille, comme un métier magnifique, et on espère qu'ils vont continuer. Voilà, donc, et l'entreprise doit devenir totalement apprenante. Merci beaucoup. Merci beaucoup.